Alors, c'est une occasion pour accentuer encore plus le partenariat que nous cherchons à mettre en place en Tunisie. Ce partenariat gagnant-gagnant pour le développement des énergies renouvelables et pour assurer notre transition énergétique. En Tunisie, nous avons un objectif très ambitieux au niveau de la transition énergétique qui est dicté par notre situation, par notre bilan en énergie primaire. Vous savez, on a un déficit aujourd'hui de 52% et nous avons besoin d'assurer notre sécurité d'approvisionnement. Personnellement, je trouve que, effectivement, la question climatique, c'est le sommet de l'iceberg, mais la partie submergée, la partie la plus importante, c'est la sécurité d'approvisionnement. Et il faut assurer cette sécurité d'approvisionnement dans un cadre le plus. Avec un target, un objectif le plus poussé possible par rapport à cette transition énergétique. Alors, la transition, elle concerne d'abord l'intégration des énergies renouvelables, tout ce qui est programme d'efficacité énergétique et tout ce qui est décarbonation un peu de notre industrie. Et c'est pour ça que nous cherchons à mettre en place ces partenariats gagnant-gagnant, tant au niveau de la production d'électricité destinée à la vente exclusive à la STEG, mais aussi au niveau des programmes de partenariat private to private pour la production d'énergie renouvelable. Et ça, j'espère que EDF, ENR, qui ont l'expérience dans ce domaine-là, puissent développer, puissent aider à l'atteinte des objectifs de notre pays. Aujourd'hui, la Tunisie mettra, l'État mettra en place, a déjà mis en place et mettra encore en place toutes les dispositions réglementaires pour aider au développement de ces projets-là. Et nous cherchons toujours à mettre également à chercher les partenariats gagnant-gagnant pour atteindre notre objectif. Je ne vais pas m'attarder encore plus. Je tiens à féliciter EDF et ENR. Vous aurez beaucoup de boulot en Tunisie et nous espérons vous avoir parmi nous pour les projets futurs de développement, pour les signatures de projets, on va dire, avec la STEG, la signature de projets private to private. Et toujours est-il, ce que nous cherchons, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Parce que s'il n'y a pas ce côté faire du partenariat, on ne pourra pas avoir ces projets-là. Et c'est ça notre objectif final. Encore une fois, merci. Merci à vous. Merci de charger les affaires. Et bonne continuation et bonne chance à vous.